Allez, allez, mon gars. On y croit. Ça a pas tué, terrible. C'est J'ai bon, il a buté. été fini. C'est plus grand monde. Ils sont complètement acculés. C'est bon, je l'ai eu. Il file droit de ce côté. Ok, on avance. Sous-marin à faire sauter. Surveillez la zone. Ah, on a trouvé en plus, excellent. On va aller faire le Jackie Sniper là. Je peux pas monter là-dessus. Je suis perdu. Où suis-je? Où vais-je? Ah, j'ai l'impression qu'on peut monter, mais je peux pas passer derrière ce truc là. Terrible. Bon, on aura le sniper de l'autre côté, c'est pas grave. On est pas là pour lui de toute façon. Merde. J'ai loupé ma vie. Je peux pas monter là-dessus. Un truc sur lequel je peux monter, s'il vous plaît. Je peux monter sur le sous-marin. Je peux monter sur cette petite planche en bois à côté du sous-marin. Oui. Bon bah allons-y. Hein. Comment je pète moi ce truc-là? Avec du C4, c'est pas mal le C4. On apprécie. Alors, ça se lance au C4 ou ça se pose? Aïe! Que bâtard. L1 donc. J'ai amorcé le C4. Ouais, ça... Oh la vache. Ça va tout le monde? Ça, c'est pas trop profond apparemment. C'est lent. Allez, on fout le camp d'ici. Ça va, le fond de l'eau était suffisamment bas pour le... Enfin, suffisamment haut plutôt pour C4. Ici, nous avons un autre sous-marin à péter. Le cartel possède une flottille de sous-marins qui lui servent à passer la coque en Floride. Je veux que vous les détruisiez. Apparemment, faut que j'aille de ce côté-là pour avoir accès à la route. De manière optimale. Alors, allons-y. Alors, ça a l'air quand même loin, hein. Mine de rien. J'ai sorti la grande voile, j'ai glissé sous le vent, comme si j'avais pris la mer. Oh, c'était rigolo, hein, petite base aquatique. On a eu moins de problèmes que dans Uncharted. Au niveau de la base des pirates. Tout s'est bien passé. À la route. Le début de la civilisation. On y croit. Alors surtout, ne pas tuer le civil. Quand nous prenons le véhicule. C'est parti. Petit dérapage. Merveilleux. Je conduis. Pour moi, on y va. J'ai vu qu'il y avait un hélicoptère. On s'en fiche. Je voulais y aller en voiture.
Est-ce que je prendrais pas cette voiture-là, par contre? Entre deux. Ah non, mais lui, il s'arrête pas, lui. Lui, il s'arrête pas, lui, il fuit. Excusez le contretemps. Je me suis laissé avoir par la Lambo. En plus, ça doit être nul, la Lambo, dans la Gadou. Réseau du cartel. On fait sauter la porte et on la désactive. Et comment tu fais s'il n'y a pas de toilette? C'est que pour des petits trajets, du coup. Putain, fais chier. Sinon, ça marche pas. Oula, oula, oula. Que tout le monde se calme. Alors... Où est notre autre sous-marin? Peut-être dans la boîte là. Ce sera un moyen de... J'ai une cible. De le protéger des regards. Je viens d'en voir un avec des pistolets mitrailleurs. Pour être là, mais là c'est l'armurerie. Donc j'y crois moyen. Voilà, il y a quoi? Je pense la boîte là-bas. C'est ce qui a l'air le plus probable. Hein. Ok, j'y vais. Je désigne un ennemi. Je vais me placer. Je rejoins une meilleure position que j'ai alignée. Je vois une cible avec des pistolets mitrailleurs. On s'est fait repérer. Ah oui, il y a du monde sur tout le pont en fait. Très bien. Avec ma vue à travers le grillage. Un sniper à couvert. Le mec. Vas-y, montre-toi. Surtout, montre-toi. Non, lui par contre, il me défonce. Hein. On va pas se mentir. Lui, il est complètement chaud. C'est pas vrai, un tank. Artilleur. On va sortir, contre un mortier, ça sent le roussi. On va voir qu'il a l'air de plutôt bien tenir quand même. Papa la papa, point. Oh la vache! Il sort d'où lui? Oh! J'aurais dû continuer sur la route. Silence par contre. Normal ça. Ah oui. Personne ne parlait. Merci. Je me suis senti seul dans le silence. Ah ouais, semblable. Merveilleux. Go.
Bah, quand je passe par ici, au final. Je suis obligé de rentrer de l'autre côté. Je peux pas passer au-dessus là. Très bien. Pourquoi je passe ici? Merveilleux. Go go go. Allez, 10 contre 1 que c'est par là. Vous êtes. Vous êtes donc libéré. Prenez les armes. Narco sous-marin en visu. Mais oui, mille fois que c'est là. Modèle grand luxe de Cérébro. L'ennemi se dirige vers notre dernière position. Et on sortir bien. Cible détruite. Faut pas mégoter sur la sécurité. Ok. Un deuxième sous-marin de fait. Ensuite, donc comme dit, hein, la mission Rainbow Six, on va attendre un petit peu. En combat, donc je peux pas me téléporter. On a une autre flottille de sous-marins là. Une flottille de sous-marins qui lui servent à passer la coque en Floride. Je veux que vous les détruisiez. Je suis juste soupçonné là. Je peux me téléporter ou pas? Soupçonné, c'est interdit. Tout va bien. Ok, c'est bon. RS de ce côté. C'est un lieu inconnu. L'inconnu. Ah, comme ça, on aura notre troisième sous-marin pété. El Cerebro qui va commencer à se poser potentiellement quelques petites questions. Hein, de type... Tiens. J'avais pas construit des trucs, moi, non? Bon, ok, très bien, admettons. Alors. La moto. Faut que je suive le chemin jusqu'au pont. Oui, pour moi. Et après, je bifurque. C'est compris. Aucun souci. Nous courons avec les chamois. Mais il loupait le pont. Ok. Et maintenant, on a le droit de bifurquer. À travers les marécages. Toujours très très sûr hein, de passer un marécage de la gadoue avec des pneus. Jour merveilleux. Les ruines de San Miguel. C'est dingue cet endroit. C'est quoi, c'est un cas? Je crois... Mais on aura le temps de jouer les touristes après avoir éliminé la Santa Blanca. Ouvrez l'œil. C'est la merde pour le drone. Où est-ce qu'ils ont mis leur petit sous-marin ? Je vois un sous-marin estampillé Cérébro. Surveillez nos flancs, on va le détruire. Ok. Ok, on y croit. Le C4 est prêt.
savent qu'on est leur renard. Dégagez. Dégagez. Je l'ai eu. Je l'ai pas eu. Je l'ai eu. Bon, ça fait un peu mission kamikaze, hein. Mais je l'ai eu. Et niveau 17, hein. Moi, je suis en train de mourir au fond de mon lac, là. De mon marécage. En train de bouffer la boue. Putain de merde. Je monte de niveau. Les sous-marins sont détruits. On s'en souviendra du niveau 17. Le cérébro veut amener la coque en Floride. Il est bon pour y aller à la rame. Ah, ni vu ni connu. Tout va bien. Ok. Bon, on peut aller là maintenant. Nous avons les coordonnées d'un entrepôt dans lequel El Cerebro effectue l'essentiel de ses travaux préparatoires. Fouillez le bâtiment, récupérez les intels que vous trouverez et brûlez le reste. Très bien. On va aller fouiner dans les recherches. Furtive. Dans l'idéal, on doit atteindre l'entrepôt central sans se faire repérer. Je veux savoir sur quoi bosse El Cerebro. C'est parti. Le drone est actif. Oh non. Je vois que dalle. C'est le brouillage ici aussi. En fait, c'est peut-être ce camp-là qui brouillait le marais d'à côté. Je vois un narco du cartel. À l'intérieur de l'entrepôt. Allez, on y croit. Vraiment. Grenade, tous à couvert. Grenade. Bon, c'est la pire bonne idée d'ailleurs, non. C'est la fin du monde. La fin d'un voyage. Non mais qui me touche? Qui m'en veut? Qui pourrait bien m'en vouloir? On s'organise. On s'arrange. Ça va, on l'a eu. Ah bah tant mieux. Bon, ça a dégagé pas mal de gens, c'est cool. Vous en pensez quoi? On s'en bat les couilles, on le fait sauter. Allez. Je peux passer ici. On va combattre la poudre par la poudre. Et sur le prototype. Comment est-ce que j'entre dans cet endroit? D'un autre côté, est-ce que j'ai vraiment besoin d'entrer dans cet endroit? Est-ce que je peux pas lancer un truc là?